Michel en reviendra tout à l'heure, après la projection du film, un petit débat qui sera organisé, auquel vous pourrez bien entendu participer, c'est la raison pour laquelle on vous a invité. Voilà, bon, écoutez, nous on a soutenu ce film, on en dira de mots tout à l'heure, on soutient un certain nombre de films pour qu'il y ait du tournage dans la région, que vous êtes dans la région. Premier épisode, et un deuxième épisode, il est en tournage, vous le savez. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouvera après la projection. Bonne soirée. Un mystère. Déjà, merci infiniment à tous d'être venus nous rejoindre ce soir. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce premier épisode de La Méthode Claire. Je m'appelle Jean-Benoît Gilig, je suis le producteur de cette série. Donc à ma droite, donc, Julien Neuwolf, qui est le directeur de la fiction d'M6. Et juste à côté du président, M. Lavi, Vincent Monnet, qui est notre réalisateur, qui a réalisé l'épisode que vous avez vu ce soir, et qui est aujourd'hui en train de réaliser l'épisode 2, qui est, on est en train de tourner actuellement sous une chaleur tenable. et Nicolas Copperman, qui est le président de Mondial France, qui est la structure qui accueille la mise en production. Des remerciements à votre égard pour remercier Michel Larocque, qui a tourné aujourd'hui avec beaucoup de courage à Balmain, parce que en même temps il fait chaud, mais aujourd'hui, quand on est sur un chantier, quand on est à Balmain, dans un programme immobilier, dans un appartement où il y a 27 techniciens en face de vous, qui fait 54 degrés dans la pièce, et qu'on y passe la journée de 8h du matin jusqu'à 18h30 ce soir, moi je dis chapeau. Et dernier petit mot important, c'est qu'on est absolument heureux, on est absolument ravis d'être à Toulouse. Au-delà de la beauté et de la lumière de la ville, c'est vrai que c'est une ville qu'on ne voyait très peu au cinéma ou à la télévision, qu'au-delà des choix personnels, parce que j'ai fait mes études au lycée Bellevue, c'était important d'en venir à Toulouse. Il y avait une magie à retrouver, il y avait une caractérisation. Et le caractère du personnage de Claire Robin, sur des valeurs essentielles, qui sont les valeurs de l'école de la deuxième chance, d'une femme qui décide à 45 ans de reprendre sa vie en main, en tout cas 35, elle prend 10 années d'études, de revenir en cours du soir pour devenir avocate. Il y a un côté assez fondeur, il y a un côté assez exceptionnel, il y a un côté assez, il y a un côté un peu toulousaine. Et on a trouvé essentiel de venir tourner cette série ici. Donc merci de nous accueillir et merci d'être venu ce soir. Donc, je veux juste compléter ce que disait Jean-Benoît pour remercier le président Malvy et la région qui soutient cette série, parce que c'est une série qu'on a l'intention de l'installer le plus durablement possible avec votre soutien, avec le succès qu'elle a rencontré sur la diffusion du premier épisode sur M6. Encore, ce qui est important, c'est que pour nous, l'idée que ce soit une histoire qui se continue, qui se répète sur un ou deux films qu'on puisse tourner ensemble par an et que ce soit vraiment une relation sur le long terme avec la ville, avec la région, avec une équipe qui est à 80% toulousaine ou de la région, Jean-Benoît, si je m'abuse, ou même plus. Et c'est vraiment l'idée et l'engagement qui est le nôtre de s'ancrer ici. Donc, on m'a engagée parce que mon grand-père était né à Toulouse. J'ai oublié le nom de la rue, mais je vous le dirai la prochaine fois. On a beaucoup de plaisir à tourner ici. D'abord, parce que vous, les Toulousains, vous êtes très sympathiques et très compréhensifs quand on tourne dans certaines rues. Et c'est rare, vraiment, parce que je tournais dans pas mal de villes, mais ici, tout le monde est plutôt... bien huné, on va dire. C'est parce que je crois qu'il y a une ambiance, une énergie qui est vraiment particulière ici. Et
et on, tous les soirs, nous, toute l'équipe, est à, on occupe des terrasses et on profite de la vie parce que dans la journée, évidemment, on travaille, mais c'est vrai qu'on est très heureux, on a une double vie, quoi, tournage et terrasse dans Toulouse. Et ça, c'est aussi un avantage. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui font ce film pour ça, pour les terrasses le soir, parce qu'on s'amuse bien. Et que, oui, qu'il y a une énergie particulière. Et que, voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans cette ville-là. On sera, à mon avis, amené à découvrir d'autres facettes de sa personnalité, et que c'est une maman, une avocate, mais peut-être aussi une femme. Voilà, c'est très simple. On n'est pas sûr, on hésite, parce que voilà, voilà. Et en tout cas, pas dans celui qu'on est en train de tourner. Ayant exercé pendant quelques années sur la place du Salin, je vois que les décors ont été superbes pendant tout le film. On y retrouve une partie de ce, pas sa jeunesse, mais de quelques années passées à travailler sur le secteur. Ah. Et c'est très agréable de voir les rues si bien filmées. Ah, très bien, merci monsieur. Oui, petite question tout bête, les petits poussins, on les retrouve dans... Les petits poussins, oui, mais après c'est des poules. Ah, attends. Parce que j'ai toujours pas d'argent, ah, mais j'aurais bien... Donc voilà, je trouvais que je l'imaginais comme ça, comme quelqu'un de courageux, une femme qui se pose pas de questions, qui a pas de peur, ça c'est vraiment important, et qui a une force que, pardon messieurs, les femmes ont. et elle est sympathique aussi parce qu'elle ne ment pas. Elle est, enfin, elle ment quand ça la rend. Mais elle est claire, elle est comme son nom, hein, d'ailleurs. Elle est droite et voilà, ça me plaisait d'avoir quelqu'un, d'interpréter ce type de personnage qui est assez admirable. Nous avons développé une politique de soutien au cinéma à travers la production. Et vous l'avez d'un mot dit en rappelant les intermittents, l'activité économique qui a été nuit. Nous le faisons pour le cinéma, pour la culture, il faut savoir, on le fait aussi parce que ça permet à des équipes de venir travailler en région. Et dans une région qui est un peu particulière ici, Midi-Pyrénées, puisque nous avons deux grandes structures qui sont de niveau national, la Cinémathèque, qui est dans son genre la première de France, et l'ESAV, l'École supérieure de l'audiovisuel, rue du Thor, que la région a restauré, réaménagé il y a quelques années, qui est aussi l'une des plus belles écoles nationales sur les médias, sur le film. Et nous avons dans un lycée, les Arènes à Toulouse, une formation aussi au cinéma et aux médias qui est très avancée. Donc, on était très faible il y a quelques années. On est un peu plus fort maintenant. La situation économique et budgétaire se tend. Mais quand je prends l'année qui vient de s'écouler, en 2012, on a soutenu 55 projets. Parmi les films de 2012, il y a notamment La fille du 14 juillet, qui est un long métrage d'Antonin Prévost-Caco, qui a été sélectionné avec la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Il y a eu Pop Rédemption, qui est un long métrage de Martin Legal, qui est un réalisateur de Midi-Pyrénées. Et le film de Justine Mal, la fille de Louis Mal, ouais, qui s'appelle Jeunesse. Et puis, nous soutenons également 17 festivals autour du cinéma en région. Ils vont expliquer un petit peu quel est l'engagement qu'on peut avoir à côté du cinéma. Avec une politique nationale qui est tout à fait remarquable, avec le CNC, un grand débat actuellement, je ne rentrerai pas dans le débat, mais quand on soutient un film, quand nous mettons 2 euros, le CNC met 1 euro. Ce qui fait, ou quand il met 1 euro, il nous demande d'en mettre 2 pour en mettre 1. C'est un peu, pas tout à fait la même chose. Enfin, ce qui fait que l'aide que nous apportons se multiplie avec le concours du Centre National du Cinéma. Et ça, on est pratiquement le seul pays au monde
avoir une politique de ce type et le soutien à la création cinématographique. C'est pour ça que la France est restée un des grands pays du cinéma. Aujourd'hui, et ça je tiens à souligner, c'est grâce à l'aide des régions, c'est grâce à l'aide du CNC, donc du ministère de la Culture, et donc du travail que nous gardons, et quelque chose à laquelle on tient profondément, c'est notre exception culturelle. Parce que voilà, sinon on serait un peu noyé de séries américaines un peu partout. Et je pense que la méthode Claire qui inscrit des valeurs un peu toulousaines et du sud-ouest à l'écran, qui a été vue par 4 millions de Français, je pense qu'on découvre des choses. Et c'est un peu grâce à cette politique régionale. J'ajoute des petits chiffres importants. Pour nous, il est important qu'une série comme la méthode Claire s'inscrive, non pas uniquement à l'image, dans une série comme une série toulousaine, mais véritablement, socialement et économiquement, avec près de 90% d'une équipe toulousaine, avec véritablement une équipe ou de formation. Monsieur le Président, nous avons sur le plateau des élèves du lycée des Arènes en stage. Nous avons et nous prenons des stagiaires parce que je pense que la pérennité d'une série peut aussi inscrire la formation professionnelle dans son projet. Voilà. Je voulais savoir combien de temps avait duré le tournage et le montage du premier épisode qu'on avait vu. Le tournage a duré 21 jours et le montage a duré à peu près 7 semaines exactement. Alors moi j'avais une question aussi. Pour vous Michel Larocque, vous avez plutôt l'habitude de faire des films pour le cinéma. Et là, le fait de faire une série comme ça sur la télé, à chaque fois redécouvrir, réinterpréter votre personnage de Claire, vous disiez que vous vous attachez à elle, ça fait toujours... un peu plaisir, c'est un challenge pour vous de prendre ça? En fait, c'est comme si je faisais un très long film. D'accord. Voilà, fragmenté, mais c'est la continuité. Bonjour, oui, je voudrais rebondir sur la question tout à l'heure. Vous passez effectivement du cinéma à la télévision, et je sais qu'il y a un problème entre les actrices, les réalisateurs de cinéma et de télévision, c'est deux mondes un peu différents. Et vous passez de l'un à l'autre sans problème? On ne vous en veut pas. Tant mieux. Non, mais j'ai toujours fait, en fait, du théâtre, de la télévision et du cinéma en même temps. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je continue. Ça me plaît. Et c'est vrai que parfois, on fait en télévision des choses qu'on ne pourrait pas faire au cinéma et vice-versa. Et évidemment, le théâtre, c'est encore différent. Et que c'est très agréable de pouvoir faire les trois en même temps. Parce que la différence entre le cinéma et la télévision et les séries, c'est quoi? C'est la rapidité du travail? Non, 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 c'est même parfois pas. Certains sujets. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire la télévision, c'était parce que j'adorais les comédies romantiques. Et en France, les comédies romantiques n'étaient pas au cinéma. Depuis, ça a changé. Mais au départ, c'était vraiment un moyen de faire des comédies romantiques. Et comme j'adorais ce genre, ben voilà, j'ai pu le faire en télé. Il y a eu un film aussi que j'ai adoré faire qui s'appelle En marge des jours avec Emmanuel Trinquet, qui était un sujet qui était très spécial, mais qu'on pouvait faire qu'en télé. Je ne pense pas qu'on pourrait faire un long de personnes. Enfin, il faudrait vraiment faire, certains angles par rapport à l'histoire du personnage. Et puis, cette manière de le faire de manière assez légère et en même temps. En approchant certains problèmes graves et d'alterner, etc. Bon, c'est plus possible en télévision qu'au cinéma. On a coutume, trop souvent, d'installer et d'associer le métier d'avocat à celui d'un col blanc, celui d'un nanti, et de quelqu'un qui est très très loin de notre réalité, en tout cas dans sa représentation artistique en télévision. Et bien ce personnage ne peut pas être là-dedans. Donc ce personnage incarne, elle, la justice du quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a cette réflexion sociale, en même temps, voilà, psychologique, sociale et sociétale, on parle de quoi dans un premier épisode? Du surendettement des familles. Pourquoi? Parce que c'est la justice du quartier. La justice du quartier, parce que vient à elle comme sujet? Les sujets qui viennent à elle sont les sujets du quotidien. Je ne parle pas du deuxième épisode qui est en train d'être tourné, mais effectivement, c'est quelque chose qui la touche dans son environnement extrêmement proche. Donc la magie de la création, c'est une manière de raconter, c'est une manière de percevoir, c'est une manière, c'est pour tous, peut-être, en télévision, au cinéma, et du scénario, c'est une manière de regarder le monde qui nous entoure et d'essayer de l'écrire, et de le mettre en scène et d'incarner le mieux du monde pour faire partager des émotions.
Est-ce que vous avez une certaine visibilité maintenant que la première diffusion a été un succès? Et j'aurais aimé connaître un petit peu, si vous pouvez en parler, les critères de pérennisation, les critères de décision, d'investissement sur la suite. En gros, est-ce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 ou est-ce que c'est 1 plus 3 plus 1? Merci de poser cette question en présence de Julien qui a présenté la chaîne. J'attends avec impatience ta réponse. On envisage déjà une suite à ce film que nous sommes en train de tourner actuellement. Et on envisage déjà l'écriture d'un épisode 3 qui se tournera, on ne sait pas quand. Mais la chaîne, de toute façon, à M6, on est convaincu qu'on a là une, ce qu'on peut appeler une marque, c'est-à-dire une héroïne comme Michel Larocque sur notre antenne, dans une fiction qui ressemble à notre édito. Nous, on a envie d'en faire plein. Hein. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes impliqué, est-ce que vous avez impliqué votre univers émotionnel en tant que Madame Larocque, ou est-ce que vous avez utilisé uniquement votre technique de professionnel, de comédien professionnel? En fait, quand j'ai fait mes études de théâtre, je suis partie, j'en ai fait toute une partie aux États-Unis, où on apprend aux apprentis comédiens à faire que leur personnage devienne une personne, c'est-à-dire qu'ils établissent une biographie, ils inventent la vie du personnage, et donc depuis sa naissance, et jusqu'au moment où il arrive, juste au moment qu'ils vont interpréter. Et donc j'ai toujours gardé cette technique-là, c'est-à-dire que je considère que le personnage est ma sœur jumelle, qu'on aurait été séparés à la naissance, donc elle aurait eu une autre vie, et qu'on a plein de choses en commun, dont un physique, une vraie ressemblance, et c'est comme ça que je travaille. À quel moment s'est imposé le nom de Michel Larocque pour le personnage? Est-ce que ça s'est fait, est-ce que le personnage a été créé en pensant à elle, ou alors son nom s'est imposé au fur et à mesure de l'écriture? Non, c'est qu'il y a personne d'autre, qui d'autre, clairement, c'est Michel Larocque. Écoutez, on va vous remercier toutes et tous. Et c'est la première fois que nous faisons. Merci à l'équipe du tournage et merci à vous.